Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire gagner 5 énormes lots exceptionnels. Parmi ces lots, il y aura 4 maillots de football au choix de n'importe quel club au monde que vous voulez et de n'importe quelle taille. Et pour le premier prix, il y aura une PS4 neuve avec 3 jeux, dont FIFA 18, pour une valeur totale de 400€. Pour participer, il faudra s'abonner obligatoirement et mettre un commentaire en rapport avec la vidéo. Vous pouvez également mettre plusieurs commentaires différents, cela permettra d'augmenter vos chances de gagner. Lorsque les 115 000 abonnés seront atteints, j'offrirai 2 maillots. Lorsque les 125 000 abonnés seront atteints, j'offrirai encore 2 maillots. Et pour finir, lorsque j'atteindrai les 135 000 abonnés, j'offrirai le pack avec la PS4. Je vous souhaite à tous une bonne chance et un bon visionnage. Yo les junkies, donc c'est Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière. Ça sera une vidéo réaction vraiment très bizarre. Puisque dans cette vidéo, on va regarder un youtubeur américain avec un ballon Lilium. Et il va tester sur le goal le plus fort du monde et de tout YouTube entier. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire un maximum. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais passer un message. J'ai besoin de changer ma bannière et mon intro, donc n'hésitez pas à passer sur Facebook ou Twitter, je vous répondrai à tout le monde. Et donc si vous êtes fort dans le domaine GFX, VFX, etc, n'hésitez pas à passer comme je vous ai dit en message privé. On va commencer la vidéo, c'est parti. Donc le titre de la vidéo c'est Lionel Messi cure football vs best keeper on YouTube. En gros ça veut dire Lionel Messi est fait, avec un ballon. Donc le ballon c'est un ballon gonflé à l'hélium d'après la miniature. Et il va s'affronter contre le meilleur goal de YouTube, donc de tout YouTube dans le monde entier. La chaîne de l'auteur de cette vidéo sera bien évidemment en description comme d'habitude. Et du coup c'est parti, on va commencer. Donc j'ai passé le début les gars parce que franchement c'était pas du tout intéressant, il faisait que parler. Donc que comme ça sur sa chaise il parlait. Et la vidéo commence vraiment ici, donc je l'ai pas regardé, je vois des cas miniatures pour le moment. Donc là il présente un petit peu avec qui il est avec Sava, lui il me semble qu'il s'appelle Sava. Donc il a deux goalkeepers, donc en gros deux gardiens de but. C'est les meilleurs gardiens, ce qui paraît, de tout YouTube du monde entier. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le meilleur gardien de football pour vous. Pour moi personnellement c'est Neuer. En fait les gars, j'ai raté une action vite fait parce que j'étais en train de parler. Il a mis une frappe et j'ai pas vu, mais en fait il a mis une grosse parade. Le goal il est vraiment chaud, regardez ça. Moi je croyais que c'était un petit peu, tu vois, du mytho, la miniature, tout ça. C'est pas le meilleur goal de YouTube et tout, mais vraiment il a fait un arrêt de fou. Donc il dit respect, etc, etc, parce que là il a fait vraiment un bel arrêt. Hein. Pour l'arrêter celui-là, je vous dis les gars, en lucarne, faut vraiment plonger de malade. Lui c'est la psychiatrie, mais lui... Pff. Ouais, c'est la transversale ou il a arrêté avec sa main? Dommage, est-ce qu'il y a un ralenti? Non, il n'y a pas de ralenti. Je sais pas s'il a arrêté avec sa main ou si c'est la transversale qui a été touchée, mais s'il a arrêté avec sa main, il a fait un gros arrêt quand même. Ah, ça va, lui il a réussi à marquer, tu vois. Lui il a réussi à mettre une lucarne, celle-là je pense qu'elle était inarrêtable. Je pense que même Neuer il aurait un petit peu galéré. Parce que celle-là en lucarne. Après il faut savoir qu'ils sont deux en goal, hein. Ils sont pas, c'est pas un seul goal, c'est deux en goal. Du coup normalement ça devrait être plus simple. Du coup là ils entraînent un petit peu les goals, ils voient leur niveau. Il leur a mis un poteau rentrant en violent. Les gars, ça par contre, les poteaux rentrants c'est impossible à arrêter pour un goal. Ça je pense que tous les goals savent. Un poteau rentrant c'est vraiment limite à 99% de chance impossible à arrêter. Ah ouais, la frappe là, franchement, faut calmer mon pote. Là, il a mis un but, franchement, c'était bien placé. Il n'y avait rien à dire. Ok, donc là, il y a un des deux ballons gonflés à l'hélium. Je crois que c'est le bleu, il me semble, celui avec lequel il vient de tirer. Il a vraiment fait une frappe de fou. Et l'autre, je crois qu'il n'est pas gonflé à l'hélium. Ah, quoique, les deux, je crois qu'ils sont gonflés à l'hélium limite. Hein. Parce que lui, mon pote, pour faire un effet comme ça, c'est la galère. Et franchement, il a bien tiré. Ouais, les deux, je pense qu'ils sont gonflés à l'hélium, puisque les effets que ça fait, c'est abusé. Ah ouais, lui, il a une technique de frappe. Lui, je sais pas comment il fait, il a une technique de frappe, les gars. Ça fait 2-3 fois qu'il tire, il met des trucs de fou. Et là, regardez-moi ça, il a tiré comme un cassos, et ça arrivait en transversal. Oh là là, ah, le but. Il met que des dabs. Oh, le but qu'il vient de mettre, c'est violent. Je sais pas ce qu'il a raconté comme but là. Je crois qu'il a mis une transversale rentrante. Vous avez vu les frappes qu'il met lui? Il met des frappes bizarres en fait. Il les frappe, je sais pas comment dire, avec le bout du pied. Lui par contre, lui, il y a rien à dire, ses frappes elles sont monstrueuses. Hein. Donc là, il faisait un petit défi genre de bouger avec deux ballons. En gros, il tirait sur le ballon, un truc bizarre. Et donc là, les deux goals hein, dans les cages. Ah non, il n'y en a qu'un seul goal dans les cages. Et il a mis une lucarne de malade.
Les goals, ils se font humilier. Ça, c'est les meilleurs goals de YouTube, ça. Ça, c'est les meilleurs goals du monde. C'est des fous. Donc là, ils doivent faire des sortes de contrôles bizarres. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit les meilleurs goals de YouTube. Hein. Je sais pas si c'est bizarre, mais en tout cas, j'ai les meilleurs goals de YouTube. Moi, j'en ai vu des meilleurs sur la chaîne de VinSky. Sur plein de chaînes, il y a des meilleurs goals parce que c'est des quiches un peu. Top right, donc là normalement c'est en haut à droite si je me rappelle bien. Ouais. Il a mis une frappe à 343. Mais les goals ils arrêtent rien, c'est un truc de fou. Je sais pas s'ils sont trop petits pour sauter, mais ils arrêtent rien limite. Je sais pas, c'est bizarre. Oh, le contrôle il est pas mal. Oh, ça va, franchement là il a arrêté. Petit geste technique. Il a déglingué, regarde-moi ça. Le ballon il tire même pas vraiment lucarne, il tire au milieu des cages et le goal il arrête pas. C'est abusé. Bon là, bout portant, s'il arrête pas de près, je pense qu'ils vont pas l'arrêter à bout portant. En plus, il les a humiliés, il les a tous fait tomber. L'autre il a glissé. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là 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 là, il a failli le mettre les gars. Dites-moi pas que ses goals c'est des bons maintenant. Parce que là, s'il aurait mis ça, franchement, j'aurais quitté la vidéo, je me serais barré cash. Hein. Il tente des trucs de fou. Et le goal, vous avez vu l'arrêt qu'il a fait? Normalement, ça rentrait son tir, je crois. Hein. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Pour conclure, franchement, il n'y a rien à dire. Les goals, ils étaient vraiment bidons, ils étaient vraiment nuls. La balle à l'hélium, elle les a franchement humiliés. Que des lucarnes, que des gros trucs. Des sombreros, ils sont pris des transversales rentrantes, ils ont rien compris. Et ça serait bien de faire un test avec Manuel Neuer et de le tester avec des tirs à l'hélium pour voir s'il arrive vraiment à les arrêter. Je vous laisse sur ça, je vous dis ciao les gars, c'était Crypto, passez une bonne fin de journée. Allez, ciao.